Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo, Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos du skin Singularité. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment débloquer le skin Singularité et je vais vous montrer toutes ses variantes. Alors première chose que vous allez devoir faire, c'est récupérer 90 puces de décryptage pour pouvoir débloquer ce skin. Donc là, je récupère ma 90e puce de décryptage et je quitte la partie. Alors je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34 qui me prête son compte pour réaliser cette vidéo parce que tout simplement sur mon compte à moi je ne suis pas encore palier 100, je suis palier 93 je pense, il manque encore 7 paliers donc je n'ai pas encore les deux dernières, la dernière puce qui est 100 paliers du pass de combat pour débloquer la 100e puce. Enfin une puce, je sais plus c'est laquelle mais voilà. Donc je viens faire une grosse dédicace à Johnny34, je mettrai sa chaîne en description. Et n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, merci à tous ceux qui le font. Alors félicitations, vous avez accompli pour avoir les défis Utopie, ok. Et là je débloque le skin Singularité. Donc maintenant je vais vous présenter un petit peu plus, je vais faire un petit peu de zoom dessus. Donc on va dans le casier et on va se l'équiper tout de suite. Donc on va déjà le mettre en favori. Hop, on manipule le casier. Vous voulez voir le casier de Johnny34? Regardez-moi ça. C'est un gros pigeon MDR. Non, je déconne poto, dédicace à toi. Alors voici le skin Singularité. Donc il n'y a pas de sac à dos, c'est juste ce skin là. Mais il y a 5 variantes que vous devez que vous pouvez obtenir en débloquant des casques. Donc je vais aller chercher ces casques là et je vais vous montrer les 5 variantes. Alors pour ceux qui veulent savoir où sont les emplacements des casques, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, je la mettrai en fin de vidéo, je la mettrai en raccourci pour ceux qui veulent les 5 emplacements de casques. Comme ça vous allez pouvoir récupérer les 5 variantes de ce skin. Et pour débloquer le skin Singularité, vous allez devoir récupérer 90 puces de décryptage, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Maintenant, je vais vous montrer les variantes du skin. Alors, pour débloquer les 5 variantes de skin, vous allez devoir trouver 5 petits casques, comme vous voyez ici. Donc voilà, là j'en ai débloqué un. Regardez, la variante s'est directement mise sur moi. Vous avez vu? Donc, je vais essayer d'aller chercher une deuxième. Attendez un peu. Ouais, c'est trop stylé ça, elle se met instantanément sur vous, donc ça c'est stylé. Je vais essayer d'aller chercher un autre casque et vous montrer l'autre variante. On va voir si je peux les récupérer tous en une game. Alors voici le deuxième casque, hop, on le fouille. Et boum, ça nous met directement le camouflage. Et on peut tous les récupérer en une seule game, donc ça c'est cool. La variante elle est rose, ouais c'est pas mal. Donc après je vais vous montrer les variantes dans le lobby hein, après. Ok, donc la prochaine variante elle est ici, hop. Donc là on voit pas bien avec la zone, mais c'est pas grave, je vais vous les montrer dans le lobby de toute façon. Alors regardez, la troisième variante du skin, franchement elle est trop stylée, elle est en or comme ça. Donc là on va regarder la quatrième variante dans le gameplay, boum. MDR, on dirait Monsieur Tomate, wesh. Attends, parce qu'il y a du mal à se pixeliser je crois. Ouais, il a du mal à se pixeliser, sûrement parce que je viens de le mettre. Et là je vais chercher la dernière variante, comme ça je vous ai remontré les 5 variantes in-game mon pote. Et la cinquième variante, la voici, hop, tadam. Voilà, vous avez vu les 5 variantes in-game. Maintenant, je vais quitter la game et je vais vous montrer ça de plus près. C'est parti, let's go. Oh, il y a un type, il a la même variante que moi. Yeah, mon pote, tu gères. Vas-y, on va voir les autres. Maintenant, on va voir ça de plus près, c'est parti. Alors c'est quand même stylé parce que j'ai pu récupérer les 5 casques en une seule game, donc ça c'est quand même stylé. Alors voici les variantes qu'on peut débloquer. Alors what the fuck, ah ok, il faut obtenir 95 puces de décryptage pour débloquer, ok c'est les épaulettes en fait, ouais c'est une variante de la tenue en fait, c'est la tenue qui change, regardez, elle a des renforcements sur les épaules, sur les jambes. Et elle a, on dirait une petite veste aussi, des renforcements sur les bras. Donc voilà, elle a un plus beau boule que d'habitude. Non, je déconne. Oh my god, Gotaga. Bon, regardez comment elle est quand même stylée, franchement. Badass, le skin. En plus, un skin gratos, mon gars, ça fait trop plaisir. Alors là, il va falloir débloquer 100 puces de décryptage pour avoir le casque. Alors moi, personnellement, les Power Rangers, ça m'intéresse pas trop. Donc le casque ne m'intéresse pas. Après, peut-être que vous, ça vous intéresse, je sais pas. Mais je pense que le casque sera en fonction de la tenue. Donc imaginons je mets cette tenue là. Ok, ouais. Donc le casque sera rose. Ah oui, attends. Quoi? Pourquoi le casque il reste rose là?
Voilà, là, le casque, il est vert. Ah, là, il est... Ah ouais, ok. Ok, donc ça, c'est... Franchement, c'est dommage. Le casque, il aurait été en doré, là, comme ça. Il aurait été trop badass. Enfin, bref, je vais vous montrer les variantes. Donc, la première variante, c'est celle-ci. Elle est toute sexy, magnifique. La deuxième variante, c'est pour les filles. C'est une petite variante rose. Par contre, j'aime bien la petite couleur dans ses cheveux. Franchement, c'est assez stylé. Elle est quand même trop sexy, la meuf. Voilà, la troisième variante, c'est la verte. Un petit peu camouflage lézard comme ça, avec des petites mèches orange. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, franchement, j'aime bien ce petit skin là. Alors, celui-là, je le trouve, c'est le plus badass. À part que le putain de problème, c'est le rose. J'aime pas le rose, les mecs. Oh là là, fait chier quand même. Hein. Sinon, franchement, le doré, il est trop, trop, trop sexy. Ça lui va trop bien. Alors, la quatrième variante, attends, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il y a 6 variantes en réalité. La cinquième variante, c'est celle-ci. Ouais, pas mal. Franchement, c'est pas la mieux. Par contre, j'aime bien cette petite mèche jaune. Hein. Franchement, ça lui va bien. Et la dernière, franchement, c'est trop Madame Tomate, ça, wesh. Les mêmes couleurs de Monsieur Tomate. Franchement, des cheveux orange, rouge, ouais, pourquoi pas. Franchement, il est quand même tout stylé. Tout stylé. Donc, je vais essayer de vous montrer les variantes avec le skin. Ah ouais, comme ça, il est quand même bien. Hein. Il est quand même bien. Regardez-moi ça, comment il est tout sexy. On va regarder la variante avec celui-ci. Donc, hop, comme ça. Et comme celui-là, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça me fait penser à un mec dans... Allez, dans Avengers, dans Marvel, là, le type Ant-Man, là. Ça me fait penser à sa femme. Donc voilà, voilà. Le skin, là, bah, on a déjà regardé cette variante. Hein. Putain, regarde-moi ce boule. Ouais, magnifique. Alors, le prochain, hop, c'est celui-là. En vert, franchement, ouais, il déchire quand même comme ça, en vert. J'aime pas le casque, mais... Avec ce tout en vert comme ça, ça pète. En rose, bah, ça c'est pour les filles, hein, les mecs. On va pas prendre ça, nous, quand même, hein, un minimum. Hein. Et voilà, voilà. Donc voilà, je vous ai présenté toutes les variantes. Je vous ai expliqué comment les débloquer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas le code SoitCoolMecYTB dans la boutique de Fortnite. Ou alors vous utilisez le code Johnny34 dans la boutique de Fortnite. Merci à toi, Johnny34, de m'avoir mis en code créateur. T'es vraiment un tueur, je t'aime, mec. Grosse dédicace à Johnny34 qui m'a prêté son compte. Sa chaîne sera en description. N'hésitez pas à aller vous abonner en masse, les mecs. Merci à tous ceux qui le font. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.